Une obligation peut se définir comme étant un lien de droit en vertu duquel un ou plusieurs créanciers peuvent contraindre un ou plusieurs débiteurs, au besoin par le recours à la justice, à exécuter une prestation consistant à faire, ne pas faire ou donner quelque chose. Conformément à la définition qui vient d'être donnée, le créancier d'une obligation peut exiger de son débiteur trois choses. Soit qu'il fasse quelque chose, soit qu'il fasse pas quelque chose, soit qu'il lui donne quelque chose en tant que tel. Il s'agit d'une distinction classique des obligations en fonction de leur objet. Dans la première hypothèse, le débiteur doit s'exécuter en réalisant une prestation. Ce type d'obligation est le plus répandu et se retrouve dans la plupart des contrats usuels. Ainsi, dans la vente, le vendeur doit livrer le bien vendu. Dans le bail, le locataire doit payer le loyer. Dans le contrat d'entreprise, l'entrepreneur doit réaliser les travaux pour lesquels il a été engagé. Dans la seconde hypothèse, le débiteur doit s'abstenir d'accomplir un ou plusieurs actes déterminés. Pour reprendre l'exemple du contrat de bail, le bailleur a l'obligation de ne pas troubler la jouissance du locataire. Enfin, la troisième hypothèse vise l'obligation de donner. Cette obligation implique que le débiteur doit transférer un droit réel, c'est-à-dire un droit qui porte sur un bien, au créancier. Le droit réel par excellence est le droit de propriété qui est transféré par le vendeur à l'acheteur. Comme le prévoit expressément la loi, l'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à sa livraison. À côté de cette distinction, il en existe une autre. Il s'agit de la distinction entre les obligations de moyens et celles de résultats. Lorsqu'un créancier se prévaut de l'inexécution d'une obligation de résultat, il doit apporter la preuve que cette obligation n'a tout simplement pas été exécutée. Il suffit de démontrer que le résultat n'est pas atteint pour être fondé à engager la responsabilité du débiteur. La faute du débiteur est présumée du fait que le résultat n'a pas été atteint. À l'inverse, le créancier qui se prévaut de l'inexécution d'une obligation de moyens doit démontrer non seulement cette inexécution, mais également la faute du débiteur. Ici, la faute consiste en le fait que le débiteur ne s'est pas montré normalement prudent et diligent comme l'aurait été un bon père de famille placé dans les mêmes circonstances. En ce qui concerne les principes contractuels, il faut rappeler que la matière des contrats est gouvernée par certains grands principes. Ces principes régissent tant la formation des contrats, l'exécution des contrats que la fin des contrats. Le premier principe est celui de l'autonomie de la volonté. Selon ce principe, les parties à un contrat peuvent en règle librement décider de créer, modifier, transmettre ou encore éteindre des droits et obligations entre eux. Il existe toutefois certaines limites que sont l'ordre public, les bonnes mœurs et les dispositions impératives. Le second grand principe est celui du consensualisme. Ce principe implique que, sauf exception, le simple échange de consentement des parties suffit à faire exister le contrat. Néanmoins, la loi exige, dans certains cas, qu'une ou plusieurs formalités soient accomplies pour que le contrat existe. Un autre principe est le principe de la convention-loi. Comme son nom l'indique, ce principe indique que le contrat représente la loi entre les parties. La principale conséquence de ce principe est que, sauf exception, une partie ne peut modifier seule les rapports prévus dans le contrat. Par contre, les parties peuvent, de commun accord, modifier le contrat qui les unit, voire le mettre à néant. Enfin, la loi impose que les contrats soient exécutés de bonne foi. La bonne foi peut être appréciée de deux façons. D'une part, certaines dispositions instaurées par le législateur prévoient expressément une référence à la bonne foi. En pareil cas, le concept de bonne foi
reçoit généralement une acceptation spécifique à la situation visée. D'autre part, la bonne foi correspond à un concept général qui se caractérise par des normes objectives de comportement. Les règles relatives à la formation des contrats peuvent être appréhendées de deux points de vue, d'un point de vue statique et d'un point de vue dynamique. D'un point de vue statique, la formation de tout contrat requiert la présence de quatre éléments essentiels. Il s'agit de la capacité et du consentement des parties au contrat, ainsi que de l'objet et la cause. La capacité désigne le pouvoir juridique des parties de valablement s'engager. Le consentement des parties est leur volonté de s'engager dans des liens contractuels. Le consentement des parties doit non seulement être donné, mais il doit encore ne pas être vicié sous peine de nullité du contrat. L'objet du contrat correspond à l'obligation principale qui est née du contrat lui-même. Dans le cas de la vente, il s'agit du transfert de propriété du bien vendu en contrepartie du prix payé. Le Code civil impose que l'objet de tout contrat soit dans le commerce, licite, possible et déterminé ou au moins déterminable. Enfin, la cause est un concept un peu particulier. Elle désigne les mobiles déterminants qui ont animé les parties lors de la conclusion du contrat. Dans les contrats synallagmatiques comme la vente, la cause réside dans les contre-prestations auxquelles se sont engagées les parties. À l'instar de l'objet, la cause doit être licite pour que le contrat puisse valablement sortir ses effets. D'un point de vue dynamique, la formation d'un contrat s'analyse en une suite d'opérations. Au préalable, les parties procèdent à des pourparlers. Si ces négociations ne créent pas de lien juridique entre elles, la faute d'une des parties peut engager sa responsabilité précontractuelle. Le contrat est réellement formé lorsque l'offre est rejointe par l'acceptation. Constitue une offre juridique l'expression définitive de la volonté de son auteur qui ne doit plus qu'être acceptée par l'autre partie pour que le contrat se forme. Quant à l'acceptation, elle doit être inconditionnelle, sinon on parle de contre-offre. Lorsque les parties au contrat ne sont en présence l'une de l'autre, on considère que le contrat est formé lorsque l'offrant a eu ou aurait pu avoir connaissance de l'acceptation de l'autre partie. Un autre élément important concerne l'interprétation des contrats. En effet, lorsqu'un litige portant sur un contrat survient, les parties qui ne parviennent pas à se mettre d'accord doivent solliciter un juge pour qu'il tranche ce litige. Néanmoins, le juge doit, au préalable, prendre connaissance des termes du contrat et, le cas échéant, interpréter la convention pour en saisir le sens. Pour aiguiller le juge, le législateur a prévu des principes d'interprétation des contrats. Le premier principe qui doit guider le juge est de se fier à la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Cela étant, la loi impose au juge le respect de la foi due aux actes. Cela implique que si le juge souhaite s'écarter du sens littéral des termes du contrat, il doit pouvoir justifier que les parties ont voulu s'écarter du sens courant des termes pour dire autre chose que ce qui est littéralement écrit dans la convention. En outre, le principe de convention-loi interdit au juge de modifier la substance du contrat ou de ses éléments. Il ne peut ni ajouter ni retrancher à ce quoi les parties se sont accordées. Par ailleurs, le Code civil contient une série de dispositions énonçant des préceptes d'interprétation. Il est important de distinguer les effets internes et les effets externes du contrat. Les effets internes portent sur les droits et obligations des parties. Ils ne peuvent être invoqués que par les parties au contrat. Le principal effet interne est le droit des co-contractants à ce que le contrat soit exécuté.
Il s'agit évidemment d'une référence du principe contractuel déjà évoqué de convention-loi. L'intérêt des effets internes prend toute son envergure en cas d'inexécution totale ou partielle du contrat. Les effets externes, quant à eux, sont en rapport avec les tiers au contrat. Bien qu'ils ne soient pas partis à la convention, ils vont pouvoir tirer des conséquences juridiques de l'existence de ce contrat. Un autre effet externe important est l'action directe. Une action directe permet à son titulaire d'exercer à son profit une action appartenant à son débiteur et qui trouve sa source dans un contrat conclu entre ce débiteur et un tiers sous-débiteur. Le législateur prévoit certains cas d'action directe. La plus connue est sans doute l'action directe dont disposent les sous-traitants à l'encontre des maîtres de l'ouvrage à concurrence de la créance qu'ils ont contre l'entrepreneur. Les modalités des obligations sont, d'une part, le terme et la condition qui affectent l'exigibilité et l'exécution des obligations, et d'autre part, la présence de plusieurs créanciers et ou débiteurs pour une même obligation. La condition est un événement futur mais incertain. Une obligation sous condition suspensible est celle dont l'exécution est rendue dépendante d'un événement futur mais incertain, tandis que l'obligation sous condition résolutoire est celle pour laquelle l'accomplissement de la condition éteint l'obligation. Un exemple classique d'obligation conditionnelle est l'achat d'un immeuble sous condition suspensive de l'obtention d'un crédit hypothécaire. Le terme se distingue de la condition par la certitude de la réalisation de l'événement futur, même si l'époque de sa réalisation est inconnue, par exemple la mort. Le terme « événement futur et certain » peut être suspensif ou extinctif. Dans le premier cas, le terme suspend l'exigibilité de l'obligation, tandis que dans le second, la réalisation de l'événement éteint l'obligation. Les obligations peuvent également être des obligations conjointes. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers et ou plusieurs débiteurs dans une même obligation, celle-ci se divise de plein droit en autant de parts qu'il y a de créanciers et ou de débiteurs. Chaque créancier ne peut exiger que sa part et chaque débiteur ne doit payer que sa part de dette. Les obligations solidaires forment une exception au principe des obligations conjointes. La solidarité active désigne la situation dans laquelle chacun des créanciers peut exiger l'exécution totale de l'obligation en cause. À charge ensuite pour ce créancier de répartir le montant de la dette payée entre tous les créanciers. La solidarité passive vise l'hypothèse où chacun des débiteurs peut être tenu d'exécuter entièrement l'obligation. Dans ce cas, le débiteur qui a payé au-delà de ce qu'il devait peut se retourner contre ses codébiteurs pour récupérer l'excédent payé. Enfin, une obligation peut également être indivisible. Cela signifie que son objet ne peut être divisé. C'est notamment le cas de la vente d'une maison par plusieurs vendeurs. En règle, le créancier d'une obligation peut la céder à une tierce personne. Par l'effet de cette cession de créance, le cessionnaire devient le nouveau créancier de l'obligation alors que le cédant devient tiers à cette obligation. Par contre, le débiteur demeure le même, mais doit s'exécuter envers une autre personne, le cessionnaire. Le principal problème qui peut se poser est la question de l'opposabilité de cette cession. Le Code civil règle cette question en tant que telle. La cession d'une créance est opposable au tiers, autre que le débiteur cédé, par la seule conclusion de la convention de cession. Quant au débiteur cédé, la cession lui est opposable dès lors qu'il en a reçu notification ou qu'il l'a reconnue. La cession de dette n'est par contre pas réglementée par notre droit. Néanmoins, elle peut s'opérer par voie contractuelle si le créancier cédé
le débiteur cédant et le débiteur cessionnaire organisent cette cession dans une convention à laquelle ils sont tous parties. Une obligation est éteinte lorsque le débiteur est libéré et ne doit plus faire, ne pas faire ou donner quelque chose. Outre les modes d'extinction examinés ci-après, le paiement et l'exécution forcée aboutissent également à la libération du débiteur. Le premier mode d'extinction est la confusion. La confusion s'opère lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne. Cependant, la confusion n'éteint pas réellement la créance. Elle constitue en réalité un obstacle à sa mise en œuvre. Les exemples de confusion se trouvent particulièrement dans le domaine des successions. C'est notamment le cas lorsqu'au décès du débiteur, le créancier hérite de la dette. Un autre mode d'extinction de l'obligation plus courant est la compensation. Selon les termes de la loi, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation à concurrence de la dette la moins élevée. Concrètement, la dette la plus faible s'éteint et celle qui est plus élevée voit son montant réduit d'autant. Il existe dans notre droit trois types de compensation. La compensation légale, la compensation conventionnelle et la compensation judiciaire. La compensation légale requiert l'existence de deux dettes fongibles, liquides et exigibles entre les deux mêmes personnes agissant en la même qualité. Lorsque les conditions mentionnées ne sont pas réunies, mais leur sont par l'effet d'une décision de justice, le juge peut, à la demande d'une partie, prononcer une compensation judiciaire. Enfin, les parties peuvent convenir elles-mêmes de procéder à la compensation de leurs dettes réciproques, même si les conditions requises pour la compensation légale ne sont pas réunies. Cependant, cette compensation ne peut être frauduleuse en tant que telle. Elle ne peut pas être réalisée, par exemple, dans le but de nuire à un tiers créancier d'une des parties. Un autre mode d'extinction des obligations est la novation. Par ce mécanisme, les parties à une obligation conviennent d'éteindre cette obligation pour lui en substituer une nouvelle. Cette novation permet de changer le débiteur, le créancier ou l'objet de l'obligation nouvelle. Constitue une novation, une cession de dette avec décharge de l'ancien débiteur par le créancier cédé. Enfin, on peut également citer la remise de dette comme mode d'extinction des obligations. La remise de dette est l'abandon volontaire par le créancier de sa créance. Concrètement, à ce que pourrait laisser penser cette définition, la remise de dette est un contrat par lequel le débiteur doit accepter, même tacitement, la remise. Dans la mesure de la remise, l'obligation qui en fait l'objet disparaît et les sûretés réelles et personnelles sont libérées.